Bonjour à tous et bienvenue sur Éducation Voyageuse. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire et vous pouvez aussi me suivre bien sûr sur Instagram. Donc moi c'est Justine, vous me connaissez maintenant depuis un petit moment et aujourd'hui on va faire une vidéo qui parle des questions que l'on doit se poser avant de préparer un cours de français langue étrangère, mais ça vaut aussi pour toute langue étrangère, pour tout enseignement d'une langue. En fait, une fois qu'on a décidé qu'on allait donner cours, eh ben, parfois, souvent, on ne sait pas par où commencer. Et c'est justement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Quelles questions faut-il se poser pour commencer à préparer un cours? Donc, imaginons que vous avez un cours de Settled, que c'est prêt, c'est acté, vous allez donner ce cours. Et bien souvent, vous n'avez pas beaucoup d'indications. Parfois, on va juste vous dire, écoute Justine, mardi, tu commences avec les B1. Très bien. Alors, la première chose à faire, ça va être de récolter des informations pour connaître le niveau de vos apprenants. Donc, dans cette phrase, on vous a donné un niveau, le niveau B1, très bien. Mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est ce à quoi réfère ce niveau. Est-ce que c'est B1 acquis ou B1 visé? Je m'explique. C'est de savoir si les étudiants ont actuellement, véritablement, à l'heure actuelle, un niveau B1 ou est-ce que c'est que vous devez amener les étudiants vers un niveau B1. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans le premier cas, si les étudiants ont actuellement un niveau B1, eh bien, vous les amènerez sûrement vers le niveau B2. Sauf si c'est des alliances en française, vous les amènerez peut-être vers un niveau B1-2. Les niveaux sont séparés en deux dans certaines alliances françaises. Par contre, si vous devez les amener vers un niveau B1, ça veut dire qu'actuellement, ils ont plutôt un niveau A2. À vérifier, mais a priori, ce serait plutôt ça. Donc, vous aurez bien compris que votre cours va totalement changer en fonction de si le niveau de vos étudiants est réel ou visé. Très bien. Bon. Une fois que vous avez cette petite distinction de fait et que vous avez l'information pour savoir si c'est le niveau réel ou le niveau visé, eh bien il va falloir surtout, donc là on parle d'un cas où on vous a donné un niveau, mais si encore plus vous n'avez pas ce niveau, il va falloir penser à faire ce qu'on appelle une évaluation diagnostique, un test de français. Dans une autre vidéo, je parle du test EvaLang qui a été fait par la UF, qui peut peut-être vous aider comme évaluation diagnostique, donc je vais mettre la vidéo là. Donc, faire une évaluation diagnostique, donc imaginons que vous avez besoin de connaître le niveau de vos apprenants parce que vous n'avez pas du tout leur niveau, et bien ça va être de créer un test qui va vous permettre de savoir à peu près le niveau. Donc là, moi j'utilise en général l'inventaire des contenus clés du CECRL qui est assez facile et qui permet d'avoir grosso modo un profil par activité langagière des apprenants. Très bien. Maintenant, si vous avez un niveau présupposé, ben, vous pouvez faire cette évaluation diagnostique en fonction de ce niveau présupposé. Donc vous pouvez mettre, si vous avez un B1, vous pouvez mettre des questions allant du A2 à B2, on va dire, et savoir à peu près s'il y a des notions du A2 à revoir, s'ils ont bien tout maîtrisé du B1 ou s'ils sont encore plus avancés, par exemple. Voilà, donc une fois la question du niveau élucidée, la deuxième étape, ça va être peut-être de connaître les caractéristiques de votre public. Donc là, ça va être en gros essayer de grappiller des informations pour savoir un petit peu à quoi ressemble votre public. Donc vous allez avoir le nombre peut-être d'étudiants que vous avez, c'est très important notamment pour les activités que vous prévoyez. Parce que si vous avez plus un plus petit ou un plus ou moins gros groupe, ben vous ne pourrez pas faire les mêmes activités en groupe, enfin voilà, ça aura plus ou moins de pertinence en fonction des activités que vous souhaitez faire. Ensuite on aura l'âge, à minima juste savoir si c'est des adultes, des ados ou des enfants, pour pouvoir bien sûr adapter, puisque ce ne sera pas la même façon d'enseigner. Ensuite, on va avoir les langues parlées et les langues qu'ils ont en commun avec vous. Donc, essayez de savoir si vous pouvez vous comprendre en parlant anglais ou si vous parlez tous une langue en commun ou si vous pouvez utiliser la langue maternelle de ces apprenants. Ça peut être aussi de savoir si
ils sont captifs ou non, c'est-à-dire si le cours est obligatoire pour eux ou pas, déjà pour savoir un petit peu doser quelle sera leur motivation et leur engagement, si c'est une motivation intrinsèque ou pas, et aussi de savoir si justement vous aurez, ça va plus dans les contraintes institutionnelles, mais savoir si vous aurez des obligations à remplir en fonction des présences, absences et tout ça, au niveau de l'appel et tout ça. Voilà, et ensuite, ben, tout ce qui est en lien avec l'homogénéité ou justement l'hétérogénéité de votre groupe. Est-ce que ce sont des personnes qui ont les mêmes parcours, les mêmes profils, les mêmes nationalités? Est-ce qu'ils parlent des langues très différentes? Et du coup, vous savez d'avance, on dit souvent que les Asiatiques, il faut passer plus de temps sur certaines caractéristiques de la prononciation, certaines caractéristiques de la langue, que les locuteurs de langue romaine ont naturellement. Inversement, il y a des choses qui sont pas du tout pareilles pour certaines personnes, mais en tout cas, essayez d'anticiper les différences que vous pouvez retrouver entre les différents apprenants et savoir que vous allez devoir gérer avec cette différence, ou est-ce que justement le groupe a l'air à peu près homogène et vous n'aurez pas trop besoin de faire de différenciation. Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Ensuite, étape numéro 3, ça va être ce qui est de l'ordre du besoin du public. Donc là, ça va être répondre à la question, ben, pourquoi ils veulent apprendre le français et quels sont leurs besoins immédiats en français. Est-ce que c'est justement des migrants qui en ont besoin de suite pour faire leurs papiers, pour faire les demandes d'aide et tout ça? Ou est-ce que ce sont des personnes qui veulent voyager, des personnes qui veulent juste le comprendre, le lire? Voilà, en fonction des besoins, vous allez axer sur les domaines différents, sur les situations différentes et sur les compétences totalement différentes. Voilà pour ce qui est des, on a dit des besoins des apprenants. En fait, cibler les besoins, ça va vous permettre vraiment d'axer qu'est-ce que vous allez travailler dans vos cours. Ensuite, l'étape suivante, l'étape 4, ça va être de connaître là les contraintes de l'institution. Donc, c'est-à-dire quand ont lieu les cours, à quel moment de la journée, vous saurez s'ils sont plus ou moins fatigués, tous les combien, parce qu'on fait pas du tout les mêmes cours si on voit les apprenants tous les jours, tous les deux jours, ou si on les voit toutes les deux semaines, ça n'a rien à voir. Ça peut être aussi, si c'est en présence, dans quelle salle c'est. Est-ce que c'est une salle qui peut bien contenir tous les membres de votre cours, on va dire? Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que le mobilier est déplaçable? Est-ce que vous pouvez faire des groupes? Est-ce qu'il y a du matériel? Est-ce que vous pouvez utiliser du numérique, les outils numériques? Voilà. Est-ce que vous avez de la distance? Est-ce que c'est, si c'est tout en ligne, si c'est à distance, est-ce que vous connaissez la plateforme? Est-ce qu'il y a un outil imposé? Est-ce que vous avez des outils numériques qui sont à votre disposition autres que de visioconférence? Est-ce que il y a l'hybride, c'est-à-dire est-ce que c'est présentiel, distanciel, et dans quel cas, sur quel rythme, est-ce que c'est imposé? Voilà, toutes les questions un petit peu pratico-pratiques, tout ce qui est imposé par l'institution, il va falloir le prendre en compte dans l'organisation de votre cours. Et enfin, la dernière étape, l'étape 5, ça va être tout ce qui relève de ce que moi j'ai appelé les contraintes pédagogiques. Donc en fait, c'est tout ce qui vous est imposé en termes de pédagogie. Donc ça va être, pour commencer, les évaluations. Est-ce qu'elles sont imposées? Est-ce que c'est les mêmes pour toutes les, pour tous les groupes, et vous n'avez pas du tout la main dessus? Donc dans ce cas-là, il faut quand même préparer vos étudiants à l'évaluation. Donc il faut prendre en compte l'évaluation dans la préparation de vos cours. Ou est-ce que c'est une évaluation libre? C'est vous qui la créez, mais avec peut-être un rythme imposé, c'est-à-dire une évaluation de semi-semestre et une évaluation terminale, ou est-ce que c'est juste du contrôle continu tout le temps? Voilà, c'est des questions à se poser pour pouvoir prendre ça en compte dans la création de vos cours et dans le planning de votre formation. Ensuite, ça va être le manuel. Est-ce qu'il y a un manuel qui est imposé que vous devez utiliser? Est-ce que vous devez tout faire de ce manuel? Est-ce que vous pouvez utiliser que certains éléments et ajouter vos propres ressources? Est-ce qu'au contraire, vous n'avez aucun manuel et vous devez concevoir de A à Z votre cours, rechercher vos documents authentiques, tout ça? Voilà, le degré de liberté que vous avez dans ce choix-là. Est-ce que, au contraire, vous pouvez vous choisir un manuel que vous aimez, avec lequel vous aimez travailler, et le leur faire acheter? Voilà, c'est des questions à se poser. Et enfin, ça peut être aussi la place des autres langues, autres que le français. Est-ce que vous avez le droit de recourir
à l'anglais, à la langue maternelle des apprenants, ou est-ce que justement vous avez une interdiction d'utiliser l'anglais ou la langue maternelle? Parfois c'est imposé par l'institution, par l'endroit ou par les responsables pédagogiques. Voilà, donc ça c'est hyper important à prendre en compte puisque ben, ce sont des guidelines que vous devez absolument suivre. Donc voilà pour ce qui est des 5 étapes, enfin de 5 familles de questions à se poser lorsqu'on a un cours à préparer. Je me suis dit que ça pourrait vous être utile pour démarrer dans l'enseignement du FLE. Donc si vous avez des retours, des questions, n'hésitez pas. Moi je vous dis merci et à bientôt.